Sur un ordinateur, il suffit de supprimer quelque chose pour qu'il disparaisse à jamais. Pour exécuter des commandes, son logiciel s'appuie sur le langage binaire, qui est composé de 0 et de 1. Les ordinateurs ne sont pas les seuls à l'utiliser. D'autres appareils électroniques le font aussi, comme les calculatrices, les smartphones et même les cafetières électriques et les micro-ondes. Mais cet ensemble de chiffres doit être stocké physiquement d'une manière ou d'une autre. C'est là que les supports magnétiques entrent en jeu, ou plus simplement, les disques durs. Les pôles positifs et négatifs de tout dispositif de stockage peuvent facilement convertir des informations électroniques en informations physiques. Ainsi, un 1 dans le langage binaire représente un signal électrique actif, tandis que 0 l'arrête. De cette manière, les informations peuvent être sauvegardées aussi longtemps que nécessaire et sans alimentation électrique. Les disques durs n'ont même pas besoin d'être à l'intérieur de l'appareil. Il peut s'agir de CD, de lecteur flash ou de disque dur externe. Ainsi, tout fichier que tu veux supprimer a déjà une présence physique sous la forme de signaux électriques. Lorsque tu appuies sur « Supprimer », il va d'abord aller dans la corbeille ou la poubelle. Mais il n'a pas encore disparu à jamais. Le fichier vient d'être déplacé vers un autre dossier où tu peux facilement le récupérer. Tu es dans une fête et tu décides de t'incruster dans la conversation d'un groupe. Mais tu trébuches et tu tombes sur le bar avec toutes les boissons qui finissent sur toi. Tout le monde rit, tu ne peux pas vraiment annuler ou supprimer quoi que ce soit. Tu vas donc devoir vivre avec ce souvenir pour le restant de tes jours. Dans le cas d'un ordinateur, il suffit d'ouvrir la corbeille, de vider ce que l'on veut supprimer et le fichier disparaît complètement. L'ordinateur supprime simplement la référence du fichier sur le disque dur. Et une fois qu'il a été supprimé, l'ordinateur ne peut plus détecter le fichier là où il a physiquement pris de la place. Cela signifie qu'il y a un nouvel emplacement libre où toute nouvelle donnée peut être stockée. Ainsi, dans la vraie vie, si tu étais à cette fête et que tu tombais, tu pourrais simplement remplacer toute la scène par une nouvelle scène plus intéressante. Et personne ne se souviendrait jamais de ce qui s'est passé. Et tu pourrais même le faire encore et encore, avec de nombreux nouveaux scénarios. Quelle maladresse, sérieux ! RAM. Nous y voilà, la mémoire vive, Random Access Memory, ou RAM, est la mémoire principale de ton appareil qui permet de faire fonctionner les choses. Lorsque tu regardes les spécifications de ton tout nouveau portable, tu peux te dire que tu vas enfin avoir de superbes performances avec un grand espace de stockage. Mais avoir beaucoup d'espace ne signifie pas qu'il fonctionnera rapidement. Double-cliquer sur un programme ou un document, glisser, déposer et écrire. Chaque tâche effectuée par l'ordinateur utilise sa mémoire vive. Considère cela comme tes capacités motrices de base. Ton cerveau peut stocker des souvenirs, comme la fois où tu as trébuché à une fête devant tout le monde. Ah, bon sang ! La RAM, c'est comme cette certitude que tu as qu'il faut se protéger la tête si quelque chose tombe d'en haut. Elle est rapidement accessible et ne nécessite aucune réflexion. Donc si ta RAM est faible, genre 2 gigaoctets, elle sera assez puissante pour exécuter des feuilles de calcul de base et rédiger des documents ou des emails. Mais elle ne pourra certainement pas gérer l'édition d'une vidéo en 4K avec un rendu maximal. Donc, si ton appareil fonctionne lentement et que tu travailles avec des fichiers très volumineux, pense à mettre à jour ta RAM pour que tes fonctions de base soient rapides comme l'éclair et que tout se fasse à un rythme plus soutenu. Cette fois, la fête est hors de contrôle. La salle est bondée d'invités indésirables et il y a de la nourriture partout. Ton ordinateur peut être submergé par de nombreux éléments qui fonctionnent en même temps, ou il peut être infecté par des virus et des logiciels malveillants. Dans ce cas, tout ton système se bloque et tu as envie de jeter ton ordinateur par la fenêtre. Ne fais pas ça, je suis peut-être en bas. Le reformatage de ton ordinateur est un moyen d'effacer tous tes fichiers et de rétablir les programmes de base fournis avec le système d'exploitation dans les paramètres d'origine. Techniquement, il formate ton disque dur, ce qui peut être fastidieux si tu le nettoies manuellement. Prévois donc des clés USB ou des disques durs avant de procéder à cette opération irréversible. Une fois le système formaté, rien ne peut plus être récupéré. Voilà, tu t'es enfin débarrassé des invités indésirables et de tout ce bazar chaotique. Tu as retrouvé tes paramètres d'usine, musique tranquille et délicieux snacks en bonne compagnie. Tu n'es même pas tombé et tu n'es pas devenu le nouveau même de ton groupe de potes. La défragmentation est un moyen de réorganiser les données associées sur un disque dur qui sont éparpillées un peu partout. Cela permet d'arranger ces morceaux et de les remettre ensemble de manière propre et nette. Beaucoup de gens évaluent mal leurs appareils et pensent qu'il est temps de les reformater ou même d'en acheter de nouveaux. Mais la fragmentation des disques est extrêmement courante. Si la fête était trop lourde, la défragmentation reviendrait à demander à quelqu'un de tout nettoyer et de tout réorganiser. Si le buffet était rempli de jeux de société et que les téléphones de tout le monde étaient mélangés, le chargé du ménage les rangerait simplement pour que chacun puisse choisir ce dont il a besoin.
La fragmentation du disque se produit lorsqu'un fichier est cassé en différents morceaux pour tenir sur le disque. Comme de nombreux fichiers sont constamment créés, supprimés ou modifiés, il est normal que cela se produise. Et cela s'aggrave lorsqu'un fichier est réparti à différents endroits. De nombreuses personnes finissent par penser que le système d'exploitation a besoin d'une mise à jour ou que des virus ont atterri sur leur disque. Mais comparé à la RAM et au CPU de l'ordinateur, le disque est le plus faible de tous. Imagine ton ordinateur comme un réservoir d'eau géant et le disque comme un petit robinet. Si ce robinet est bouché, tu ne pourras pas évacuer l'eau correctement. En plus de ralentir les performances, la fragmentation peut entraver la lecture ou l'écriture de fichiers, prendre du temps dans l'analyse antivirus et ralentir le démarrage. Une méthode simple pour résoudre ce problème consiste à organiser tes fichiers. Mais si c'est trop compliqué, tu peux télécharger un programme qui le fera à ta place. J'aime bien ça! Une fois ton système défragmenté, tu commenceras à voir les performances augmenter comme au premier jour. Quel est le point commun entre les ondes radio et les appareils? Tout à fait, le Bluetooth. Il fonctionne en unissant deux appareils, comme un clavier ou un casque, à un téléphone ou un ordinateur, sans aucune interférence et dans un périmètre limité. Contrairement aux routeurs Wi-Fi qui se connectent directement à l'Internet, Bluetooth envoie du trafic d'un appareil à l'autre sans passer par un tiers. Cela rend la connexion sûre et stable et permet même de maintenir une faible consommation d'énergie pour améliorer l'autonomie de la batterie. Grâce à ces incroyables ondes radio, de nombreux autres appareils tels que les télécommandes de porte de garage, les téléphones sans fil et les interphones pour bébés veillent à ne pas interférer les uns avec les autres. Sans cela, ta maison aurait l'air d'avoir été envahie par un robot fou. Les ordinateurs peuvent maintenant littéralement tenir dans tes poches. Oui, un smartphone est techniquement un ordinateur. Mais les tout premiers ordinateurs étaient aussi grands qu'une pièce. Ils ont été conçus pour résoudre des problèmes plutôt que pour s'amuser avec des jeux, YouTube et les réseaux sociaux. L'une des premières méthodes de saisie de données était les cartes perforées. De la même manière qu'un code binaire repose sur des 0 et des 1 qui sont lus comme des signaux électriques, un système de cartes perforées fonctionne en créant des trous dans des cartes en papier. Celles-ci étaient fabriquées à la main ou à la machine, puis insérées dans un lecteur de cartes connecté à un ordinateur. Celui-ci lisait alors les informations et convertissait la séquence de trous en informations numériques. Ce système a été créé dans les années 1800, mais il a marqué le début de la révolution technologique. Les cartes perforées ont ensuite évolué vers des 0 et des 1, comme c'est le cas aujourd'hui. En 1946, un ordinateur appelé ENIAC a été construit et on dit qu'il pesait 30 tonnes. Il avait aussi 18 000 tubes à vide qui servaient à traiter l'information. Lorsqu'ils l'ont allumé pour la première fois, les lumières ont baissé dans de nombreux quartiers de Philadelphie. Cet ordinateur ne pouvait effectuer qu'une seule tâche, puisqu'il n'avait pas de système d'exploitation. En 1951, ils se sont débarrassés des tubes à vide pour les remplacer par des transistors, et au même moment, le premier ordinateur commercial était mis en vente pour le public. Rapidement, les ordinateurs ont commencé à prendre leur forme actuelle. Plus de 100 langages de programmation informatique, mémoire et système d'exploitation sont apparus. Ils incluaient même des types de stockage comme les cassettes et les disques, et même des imprimantes. 10 ans plus tard, les circuits intégrés ont fait leur apparition. Les ordinateurs sont devenus plus petits et plus puissants. Ils étaient capables d'exécuter de nombreux programmes en même temps au lieu d'être juste laborieusement monotâches. Puis, dans les années 80, nous avons assisté à la montée en puissance de Microsoft et d'Apple. Apple nous a donné l'interface élégante et la souris d'ordinateur que nous connaissons si bien. Mais ce n'est que dans les années 90 que Microsoft a donné au monde le système d'exploitation Windows. Et le reste appartient à l'histoire. Enfin, techniquement, tout cela est une sacrée histoire qui a juste changé nos vies. C'est dingue, non ?